Karine. Bonjour Stéphanie. Bonjour les filles. Karine, nous avons aujourd'hui Angèle. Angèle, elle a 19 ans, c'est son premier rendez-vous avec son chéri. Angèle, elle est ronde et en fait, elle ne veut pas faire d'impair. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas mettre, des tenues à ne pas porter pour son premier rendez-vous galant avec son chéri? Alors, Angèle, je te dirais dans un premier temps de commencer par analyser l'image que tu veux donner de toi pour ton premier rendez-vous. Est-ce que tu veux être la working girl? Est-ce que tu veux être la sexy girl? Est-ce que tu... Voilà, tout dépend. Mais bien sûr, ne te mens pas à toi-même. Il faut que cette image te ressemble un minimum. Tu ne vas pas arriver en savate de doigts, mais tu ne vas pas arriver en talons comme ça non plus. Ça dépend si c'est un rendez-vous à la plage, Karine. On fait comment? On ne va pas y aller en plateforme? Eh bien déjà, si c'est un premier rendez-vous galant à la plage, c'est mal parti. Oh, ça dépend, ça peut être sympa, sur ouais, le sable, avec une bouteille de champ et tout. Il n'aura pas beaucoup dépensé. Hein. Ah, c'est ça. Une fois que tu as bien cerné ce que tu voulais être et ce que tu voulais montrer, justement, moi, je te conseille de ne pas tout montrer le premier soir. C'est ça, ne pas se dévoiler, les filles. Non, c'est-à-dire que vraiment, laisse-le découvrir des choses. Donc, au début, je ne te dis pas d'aller en col roulé, mais voilà, tu peux le balader, le montrer sans lui montrer. Donc, voilà. Subtilité. Ouais, je mets ça parce qu'en général, on met un petit décolleté. Oui, voilà. Donc, il ne faut pas trop mettre le tété dehors. Non. Hein, c'est ça. Pas tout dehors, pas tout dehors, pas tout dehors. On est dans la subtilité. Et au niveau de la jupe, c'est pareil, on fait attention à la longueur? Oui, oui, oui. Parce que souvent, le premier contact, la première présentation veut tout dire. Donc, si on arrive déjà en trop court... Voilà, ça donne une connotation déjà, un peu vulgaire, oui, c'est ça. Effectivement. Une mauvaise image de soi. Voilà. Ok, merci Karine. Les filles, n'oubliez pas, vous pouvez bien sûr nous envoyer et nous retrouver sur www.secretdefille.tv et bien sûr sur notre page fan. Des bisous les filles, salut.